Salut à tous, c'est Sidiaman. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez restaurer votre iPhone sans faire la mise à jour ainsi que sans ordinateur. C'est quelque chose qui m'a été beaucoup demandé, qui est quand même assez simple. Donc, je vais vous le montrer. Ça va être une vidéo assez rapide. Allez, c'est parti! D'abord, vous devez savoir que cette technique ne fonctionne pas pour les appareils qui sont jailbreakés et si vous avez un compte iCloud dans les réglages qui n'est pas le vôtre. Si jamais ces deux conditions ne s'appliquent pas à vous, parfait, nous pouvons commencer le processus. Donc, la première étape est d'aller dans l'application Réglages. Ensuite, vous allez descendre jusqu'à la section Générale ici. Vous allez descendre tout en bas jusqu'à Réinitialiser. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez peser sur Effacer, Contenu et Réglages. Donc, si jamais ceci apparaît, pesez sur Effacer maintenant. Et là, vous allez devoir rentrer simplement le code de sécurité de votre iPhone. Une fois qu'il est rentré, vous allez devoir peser sur Effacer l'iPhone juste ici. Vous allez encore une fois peser sur Effacer l'iPhone. Donc là, il y a un processus qui va démarrer. Donc la restauration a débuté. Donc il est maintenant trop tard simplement si vous voulez annuler le processus. À savoir que ça va tout effacer simplement vos données personnelles qu'il y a sur le téléphone, mais elles seront quand même récupérables à partir d'un logiciel, à partir de l'ordinateur, mais ce sera quand même assez compliqué. Une fois que le dernier redémarrage a été complété, vous allez maintenant arriver sur l'écran d'accueil. Donc là, vous allez maintenant simplement setter votre iPhone. Donc moi, je vais le faire selon les réglages que je veux. Donc c'est bon, la restauration est maintenant terminée. Ça fait simplement retélécharger les applications de base pour les remettre à neuf. Donc comme vous pouvez voir ici dans les réglages, tout a été supprimé. Je suis encore sur iOS 11.4 alors que la plus récente version d'iOS est iOS 12.3. Donc ça n'a pas mis à jour mon iPhone, je n'ai pas eu besoin d'ordinateur. Bref, c'était aussi simple que ça pour restaurer son iPhone sans faire la mise à jour et sans ordinateur. J'espère que ça vous a aidé. Donc si jamais vous avez des questions, bien sûr, les postez en commentaire. Allez, salut à tous, c'était Sidiaman.